Que se passe-t-il, Bambou? Il n'y a plus de croquettes à la maison? Oh, ne t'inquiète pas, je vais tout de suite aller t'en acheter avec l'argent des abonnés. Et pendant que je fais ça, c'est Franck Dunas, l'auteur de la chaîne Matador, qui va assurer la leçon du jour. À tantôt, Bambou, sois sage avec Franck, hein? Tu vois, Bambou, ce petit bouchon accroché au bout d'une ficelle que Nathan utilise pour jouer avec toi. Tu te dis peut-être que la façon dont il bouge en ce moment est aléatoire. Mais en fait, les mathématiques permettent de décrire à la perfection ce qui se passe, incluant comment il bougera dans 1, 2 ou 20 minutes. Et ce poil à côté duquel ta grande sœur Cajou se prélasse en hiver, sais-tu qu'on peut expliquer sa chaleur grâce aux lois de la thermodynamique? Je sais ce que tu te dis peut-être. Tu penses que les mathématiques ont été fabriquées pour décrire le monde, et donc il n'y a rien d'étonnant que ce qui se passe autour de nous colle à nos équations. C'est un peu comme la rotation de la Terre sur elle-même, qui correspond exactement à 2 tours du cadran d'une montre. Ce n'est pas un heureux hasard, le mécanisme interne ayant été conçu pour qu'il en soit ainsi, et le cadran arbitrairement divisé en 12 heures. Mais vois-tu, Bambou, les maths vont parfois bien au-delà de ce qu'elles sont supposées décrire, permettant de découvrir des phénomènes et des choses dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Je vais t'en donner 2 exemples historiques. En 1845, 7 planètes ont déjà été observées par les astronomes. Et depuis Newton et sa gravitation universelle, on comprend parfaitement leur mouvement dans l'univers. Parfaitement? Eh bien non, Bambou. La dernière planète découverte à l'époque, Uranus, a un très léger décalage dans sa trajectoire par rapport à celle qu'on calcule. Et c'est un sacré problème pour les scientifiques, car une loi du mouvement ne saurait être vraie pour 6 planètes et légèrement fausse pour la 7e. Après avoir réfléchi au problème, un jeune astronome nommé Urbain Le Verrier propose une solution. Pour lui, les lois de Newton sont valables, on ne revient pas là-dessus. Son idée, la cause du décalage de l'orbite d'Uranus pourrait être une 8e planète, pas encore découverte, et dont le champ gravitationnel ferait dévier Uranus de la trajectoire attendue. En 1846, il se met au travail. Il calcule avec le maximum de précision quelle taille et quelle position devrait avoir cette planète inconnue, afin de provoquer une déviation sur sa voisine. C'est un problème purement mathématique, et d'ailleurs assez complexe pour l'époque, où les calculatrices étaient rares et très limitées. Le 31 août 1846, sa tâche achevée, il présente ses résultats à l'Académie des sciences. Peu de temps après, les premiers télescopes se braquent à l'endroit indiqué par Le Verrier. Et c'est l'Allemand Johann Gottfried Gall qui le premier lui écrit « Monsieur, la planète dont vous nous avez signalé la position réellement existe. » Mais tiens-toi bien, Bambou, parce que la 2e histoire que je m'apprête à te raconter dépasse selon moi la découverte de Neptune en termes d'émerveillement. Oui, les mathématiques ont permis à Le Verrier de prédire l'existence d'une planète, mais comme je te le disais à l'instant, à cette époque on connaissait déjà la notion de planète. 7 d'entre elles avaient déjà été découvertes, observées et décrites. À ce titre, on peut dire que les mathématiques, à travers Le Verrier, ont prédit l'existence d'une planète de plus. L'histoire suivante concerne un objet d'une nature complètement nouvelle et mystérieuse. En 1905, lorsqu'il publie sa théorie de la relativité restreinte, l'autodidacte Albert Einstein entre dans la cour des grands. Il a résolu le problème de l'éther luminifère, tranché sur la nature de la lumière et introduit la notion d'espace-temps. Mais un domaine manque alors à son tableau de chasse, la gravitation. Durant 10 longues années de travail mathématique acharné, il va bâtir une 2e théorie que l'on connaît tous sous le nom de relativité générale. Une théorie de la gravitation dont le résultat final aboutit à ce qu'on appelle aujourd'hui l'équation d'Einstein. Non, n'aie pas peur, Bambou, je ne vais pas t'expliquer cette formule. J'en serais bien incapable d'ailleurs. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, comme souvent dans les équations, celles-ci comportent des solutions. Prenons l'équation x au carré égale 16. On peut remplacer x par 4 et constater que ça fait 16. Mais on peut aussi remplacer x par moins 4 et constater à nouveau que ça va faire 16. On dira que 4 et moins 4 sont des solutions de cette équation particulière. Dans le cas de l'équation d'Einstein, les solutions mettent en évidence un objet purement mathématique, appelé singularité. Purement mathématique ? Pas si sûr, disent certains physiciens comme l'allemand Karl Schwarzschild. Si ces singularités mathématiques correspondent à quelque chose dans la réalité,
Il s'agit d'un nouvel objet, pas une planète de plus, non, non. Un truc bizarre, jamais observé encore. Il s'agirait d'une région de l'espace-temps où, en un point, la gravitation devient infinie et dont rien, même pas la lumière, ne peut s'en échapper. Mais Einstein le sait, toute expression mathématique, toute solution d'une équation ne décrit pas nécessairement la réalité. Et il se montre sceptique de l'existence de ce nouvel objet, qu'on appellera par la suite un trou noir. Durant toute la deuxième moitié du XXe siècle, des physiciens comme Roger Penrose et Stephen Hawking continuent le travail sur le sujet, rendant l'hypothèse des trous noirs de plus en plus crédible. Et le 10 avril 2019, des astronomes obtiennent la première image d'un trou noir situé à une distance de 55 millions d'années-lumière de la Terre. Soit plus d'un siècle après le soupçon mathématique de l'existence de cet objet. Ma chère Bambou, je vais devoir m'arrêter là car Nathan ne devrait pas tarder à rentrer. J'aurais pu encore te raconter de belles histoires où les mathématiques ont permis la découverte de choses dont on ignorait l'existence, comme par exemple le boson de Higgs ou l'antimatière. Mais ça, ce sera pour une autre fois.